était l'enfant d'une famille très orthodoxe et fière. D'une première union, elle ne voulait pas dire sa prière. À l'église, elle avait peur de l'homme noir dans sa chair. Et comme elle montrait cette aversion pour le service divin, elle fut confiée à l'homme noir, un homme dû, afin que le Seigneur pût conduire son œuvre triste à bonne fin. Sous les ronces et le lierre et la tombe de l'enfant sorcière. Sous les ronces et le lierre et la tombe de l'enfant sorcière. Refusant le plan conçu pour elle par l'insondable maître, elle s'est enfuie, on l'a trouvée en haut du bois de hêtre. Son habit de pénitente avait passé par-dessus terre. Elle fascinait les truites prudentes de la rivière. Charmait les oiseaux, menait son jeu avec une vipère. Elle fut reprise et enfermée au presbytère. Sous la ronce et le lierre et la tombe de l'enfant sorcière. Sous les ronces et le lierre et la tombe de l'enfant sorcière. Elle se glissa dehors, enfant de fée ou de lutin. Dans une petite fosse creusée dans les haricots du jardin, on l'a retrouvée mouillée de rosée du matin. Il y a eu grande tristesse parmi notre petit nombre au moment où le cercueil allait descendre dans la tombe. On a entendu un cri venant du royaume des ombres. Par le chirurgien, le couvercle de bois fut enlevé. En nous regardant, la petite morte lentement s'élevait, suivi par les enfants comme une chatte s'est sauvée. Elle s'est effondrée sans vie en haut du bois de hêtre. Les enfants l'ont cajolée dans l'espoir de la faire renaître. Le sacristain dans